Tous ont été affectés par la guerre. Aucun coin du monde n'y a échappé. L'esprit humain nous a poussés à combattre en des endroits où nul ne s'y était risqué. Dans l'école des Alpes comme dans les cieux, nous y sommes parvenus. On a dit que cette guerre mettrait fin à toutes les guerres. Mais je me demande si l'ambition de l'homme et sa soif de destruction disparaîtront un jour. Tu es en haut ? Tout va bien ? On t'attend pour couper le gâteau. Waouh ! Elles sont incroyables ! Oui. C'était une époque incroyable. Cet uniforme t'allait vraiment bien. Ce n'est pas moi, c'est Matteo. Oh, bien sûr. Désolé, papa. Prends tout le temps que tu veux. Non, c'est bon, tesoro. Il est temps que je te raconte ce qui s'est passé. C'était lors de notre dernier combat ensemble, à peine quelques jours après notre 21e anniversaire. Le bataillon de mon frère avait reçu l'ordre de capturer un fort enfoncé dans le territoire ennemi. Je ne suis pas parti avec lui. Je faisais partie d'une unité spéciale avec une mission différente. Notre objectif était de soutenir le bataillon de Matteo. Nous étions une unité très fière. Nous changions le cours de la guerre pour l'Italie. Les Arditi. J'ai dû gravir la montagne en éliminant tout ce qui pouvait menacer son unité. Tu viens juste de commencer ton histoire et j'ai déjà peur pour toi. Mais non, je portais une armure. En plus, les Arditi étaient de fiers engagés volontaires. On était prêts à donner notre vie pour l'Italie. Une église se trouvait fortifiée. Impossible de passer sans les affronter. Ouverture et concerto.
après le passage des lance-flammes, il ne restait plus que quelques fantassins. Les derniers à éliminer avant de reprendre l'église. Dirigeait toujours vers le fort. Oui, je devais faire tout mon possible pour qu'il l'atteigne. À cause de cette pièce d'artillerie. Je devais absolument la neutraliser. Come on,
qu'une seule solution pour assurer la sécurité de mes hommes. Faire sauter le canon. L'explosion fut l'un des plus beaux spectacles de cette guerre. Mais il n'y avait pas un instant à perdre. Je voyais un canon anti-aérien sur la crête suivante qui abattait nos avions. C'était ma prochaine cible. Austro-hongrois était posté au canon. Si je voulais pouvoir l'utiliser, il fallait d'abord que j'élimine ses servants de canon. J'étais seul contre un escadron entier de bombardiers, et il fallait que je les abatte tous. On n'avait aucun renfort. Si ces hommes étaient tués, notre progression s'interromprait totalement, et j'aurais perdu Matteo. Avions tombés. Les autres se sont mis à m'attaquer. Mais je devais défendre Matteo. Je ne pouvais pas lâcher prise.
toujours en sécurité sous ton armure ? Bien sûr, bien sûr. Rien ne pouvait la briser. Et alors, les avions ont fait demi-tour. Et quand je me suis relevé, je me suis dit que j'étais mort et que j'étais en enfer. Ils ont fait sauter la montagne. Ils nous ont enterrés, nous et leurs propres hommes. Oh, Seigneur, Matteo. Je devais le trouver. Alors, j'ai foncé dans cet enfer. Je n'avais pas d'autre choix. Je devais trouver Matteo, mais il aurait pu être n'importe où. Alors j'ai commencé par la première chose sur laquelle je suis tombé. Des alliés étaient coincés dans des chalets. Je devais les aider. Avant de les voir. Des véhicules blindés qui venaient du fort ennemi. Mais tu n'avais plus ton équipement ? Les ennemis avaient laissé des caisses d'armes dans les chalets. On s'est servi dedans et on s'est préparé.
Notre seule volonté de fer nous a permis de détruire leurs blindés. Maintenant que les chalets étaient tirés d'affaire, je devais continuer. Au fait, tu ne m'as pas dit, est-ce que Matteo était dans ces chalets ? Non. Les hommes m'ont dit que son unité avait avancé. Forcément arrivé au fort. J'ai vu tellement d'horreur, des hommes, que je devais parfois me convaincre que je n'étais pas déjà. J'avais deux possibilités pour entrer dans le fort. Je pouvais soit passer par les tunnels souterrains, soit faire le tour pour rentrer par derrière. Pas par l'avion ? Je n'avais plus mon armure. C'était impossible.
J'ignore comment, mais je savais que Matteo n'était pas là. Je pense toujours à cet endroit. Chaque jour. J'avais presque renoncé à chercher, avec l'espoir que Matteo s'était échappé. Et puis... Non ! Non ! Il n'a plus d'anniversaire. Et moi, je suis toujours là. Qui décide de tout ça? Buon compleanno, Matteo.